Eh bien salut tout le monde, c'est Berserks83 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une mêlée générale sur Nuketown au L96A1. Donc mes atouts sont Phantom, Impact Lourd et Pirate il me semble. J'utilise le Tomahawk avec la clé mort, mais bon, je vais pas utiliser la clé mort. Vous voyez, bon là je suis mort, ça y est une fois, bon, et puis là vous allez voir ce qui va se passer. Donc je suis pas un fusil du snipe, vous allez le voir aussi, hein, je loupe beaucoup, je vais faire beaucoup de fails, vous allez voir. Mais bon, je me débrouille comme je veux. Hein. Donc là, vous voyez, hop, j'ai fait un tomahawk. Et ce tomahawk là, bah, il va me sauver la vie, vous allez voir pourquoi après. Lui, bon, voilà, lui il a complètement fait un gros fail, encore mieux que moi. Je remercie un ami à moi qui a pris la vidéo avec son HDPVR. Donc c'est Casco Leader. Donc je vais mettre sa chaîne dans ma description à moi. Enfin, je dis ça au cas où je passe sur code CF ou code QG. Parce que bon, je suis pas sûr du tout, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un HDPVR exprès pour passer dessus. Donc on verra ce que ça donne. Je suis passé d'ailleurs sur code CF il y a à peu près une semaine. Ouais, un petit peu moins d'une semaine. Et c'est grâce à un 19-0 en recherche destruction. Ça m'a rapporté quelques abonnés. Franchement, merci à vous tous et merci à code CF. Donc c'est vraiment sympa. Donc ouais, aussi ce que je voulais vous dire, voilà, donc, marqueur, c'est vraiment chiant les marqueurs, tout de fond. Là, je vais camper mes 2 secondes et demie. Là, je vais me relever. Donc oui, je sais pas si ça va vous intéresser, mais je fais aussi des vidéos sur MotorStorm Apocalypse, où je montre en fait comment avoir les cartes secrètes. Parce que dans le jeu, en fait, il y a des cartes secrètes réparties dans les circuits, en fait, pour tous les trouver pour avoir un trophée. Donc je fais des vidéos où je vous montre où elles sont en fait. Donc voilà, je vous dis au cas où il y a des gens qui voudraient avoir le trophée et qui chercheraient, enfin qui seraient en galère pour trouver ces petites cartes. Voilà, donc regardez bien mes balles, vous voyez, il m'en reste plus que 6. Et je suis à quelques kills de faire les chiens, donc je commence à paniquer, vous voyez, enfin je commence à stresser, à me dire ouais, je vais pas y arriver, puis là, ça va. Enfin, j'en fais 2 d'affilée. Dans le moment et double, c'est 2 d'affilée. Et là, il me reste plus que 3 balles, 2 ennemis à tuer. Je commence à me dire, putain, je vais pas y arriver. Là, en plus, je loupe. Donc, je vise un petit peu pour y arriver. J'y arrive. Puis là, je me dis, une balle, je sais pas si je vais y arriver. Et là, j'ai entendu quelqu'un tirer dessus. Je vais me retourner. Et hop, là, alors, là je mets les chiens. Et là, franchement, c'était magnifique. J'étais trop content. Ouais, et là j'ai fait un tir d'hélico et j'ai fait un carnage, quoi. Donc ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Ouais, j'ai plus vraiment de choses à vous dire en fait. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc j'espère que j'ai montré cette vidéo à code CF et code QG, en espérant qu'il y en ait un des deux qui prendront la vidéo, car j'ai cherché pendant bah justement, en fait j'ai fait il y a une semaine, j'ai fait il y a juste après mon 19-0 en fait, il y a à peu près 4-5 jours. Depuis 4-5 jours c'est de trouver un HDPVR et là j'en ai enfin trouvé un, donc voilà, je suis content. Donc je te remercie Casco Leader. Donc voilà, donc c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ma chaîne et sur celle de code CF ou de code QG s'ils prennent ma vidéo. Donc je vous dis bye, allez, ciao.